Oh là 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 là. C'est parti, messieurs, dames. Le BO5 entre Inami et Winder. Nous sommes en demi. Et c'est parti, le match qui commence instantanément. On avait déjà eu l'occasion de voir Inami et Winder sur leurs personnages respectifs. Non, Winder, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu, tout du moins, non, sur Winder, son Dr. Mario. On l'a pas vu on stream, mais on sait que son Dr. Mario est très on point. Ouais, clairement. Bah, il est connu pour ça. Bah, déjà, rien que pour se hisser jusque-là, c'est déjà une grande marque de force, ça, c'est sûr. Et en tout cas, le match qui commence entre les deux joueurs. Pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez even. On s'échange les phases d'avantages et de désavantages entre les deux joueurs. Et pour l'instant, léger avantage à Inami sur son Joker. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'edge guard? Mais c'est bien vu, le up air pour revenir peut-être. Le up, il s'est bien senti, on est even en pourcentage. Le up smash, pardon, le forward smash ne passera pas, mais le up smash, celui-ci, passera bien sur Inami. Mais on pourra pas follow up et c'est le forward air qui va venir le sortir. Et directement, Winder qui récupère sa stock. Le match qui se neutralise. Un neutral absolument parfait entre les deux joueurs. À l'exception de notre cher Winder qui vient de mettre quelques coups. J'en profite pour souligner à quel point le canard astronaute derrière me trigger un peu. C'est-à-dire qu'il a. Regarde, il a une petite animation de gros con là. Genre, il ah oui, absolument. Bah, c'est... On dirait vraiment un gros con là, ce canard. C'est magique. Perso d'Animal Crossing. Si vous avez le nom du perso, je sais plus. Pas d'Esper Animal Crossing. Ah bah. Je te dis si on le. Pélican. En tout cas, on se refocus sur notre match. Actuellement, pardon, Winder est légèrement devant, mais on a Arsène qui arrive bientôt. Et Arsène est là. On va pouvoir avoir une phase sûrement davantage pour Inami. Les dodges qui s'enchaînent. Le Saibi ne passera pas la dash attack de Winder non plus. Normalement, on met beaucoup de pression, mais on a assez even. Oh là là, le Dorner est très bien sorti. Le follow-up est là. Est-ce qu'on peut continuer? Le Saibi va toucher. En effet, Saibi qui touche derrière. Winder qui va prendre l'ascendant. Est-ce qu'il va pouvoir edge guard correctement ça? Les pilules. Les pilules qui sont pas très efficaces. On va devoir sauter de la plateforme qui et bouge. Ouais. Et derrière, on va pouvoir reprendre l'avantage. Assez serré, hein, assez close entre les deux joueurs. Comment ça va se découpiller cette histoire? Peut-être avec un combo Dr. Mario sans doute. C'est possible, le billet touché, mais le down air du Joker, attention. Oh, si c'est la Bax Rose, ça risque de tuer. Eh oui. On le savait. Très bon choix. Très bien senti cette Bax Rose. Ah bah, la Bax Rose Dr. Mario, ça cogne très fort. Hein, ça te jette. Hein, et puis là, c'est, et les joueurs de NES en savent qu'il y a des Bax Rose qui font mal et celle de Dr. Mario en fait partie. Exactement. En tout cas, du coup, pour l'instant, on essaie de gratter. Oh, malheureusement, ça connecte pas, qui est dommage. Il faut impérativement, pour Inami, aller chercher cette stock rapidement avant de prendre plus de dégâts. On est déjà monté à 50%. Mais ça y est, on a récupéré la stock, on a Arsène. On va le temporiser légèrement du côté de Winder. Est-ce qu'on peut réussir à avoir une bonne phase d'avantage pour Inami? Malheureusement, c'est Winder qui vient la chercher avant lui. Le combo est pas si mal. Est-ce qu'on peut follow-up? Non, la dodge est très bien faite. Et le down air, bravo. Et très beau match. Très très beau match que nous offrent les deux joueurs. Honnêtement, ça, c'est toujours plaisant de voir des joueurs de Dr. Mario aussi précis. Ouais, c'est très propre. Les pilules sont... on point, tout est on point. Chiche, comme ça nous dit dans le chat. Exactement, des chiches. Et ça fait toujours plaisir à voir ce genre de match. Comment on va répondre Inami? Est-ce que côté régie, on peut récupérer la preview du match et on sera nickel? Juste en régie, on a... Super, merci beaucoup. Génial. Parfait. Et on est reparti, donc n'oublions pas, on a... par contre, je crois que c'est un 0 pour Winder, hein, et pas pour Inami. Oui. Donc c'est bien Winder pour moi qui a une manche d'avance sur Inami. Non, voilà, de suite directement, Inami qui met du rythme avec son Joker. Oh là là, c'est bien sorti le up, est-ce qu'on peut continuer à combo peut-être? Attention, on va pas trouver plus que ça. On est de retour au neutral, on spam les neutral B pour Winder, c'est bien vu, le dance match passera pas. La dash attaque est bonne. Et dommage, on n'arrivera pas à l'edge guard, mais le down tilt est bien vu de la part d'Inami. Absolument. Oh là là, il n'y avait pas d'autre jump pour revenir. Oh, quel dommage. Inami nous faisait un super début de match. Et malheureusement, quel dommage. Sa première stock.
Comment il va réagir face à ça? Bah en soi, Inami reste ok dans son match. Puisque pour le coup, Winder est vraiment à haut pourcentage. Il continue de dominer Winder, évidemment, face à... Avec ses hauts pourcentages, il ne peut pas faire grand-chose. Il est constamment knockout. C'est propre ce qu'il nous propose. C'est un BO5 pour le public. BO5. Vu qu'on est en phase finale. Ouais, c'est un BO5, évidemment. Essayez de suivre sur le stream, s'il vous plaît. Là. Ça va pas. Il y a erreur. Et on n'arrive pas à sortir Winder pour le moment. On n'arrive pas à 167%. Ouh, le frérot j'ai eu pas, quand hein. même super peur pour Inami sur ce coup-là. C'est difficile. Eh ouais. Après, c'est Dr. Mario. Hein. C'est pas facile à sortir non plus. En effet. Et j'allais dire si, mais non. On n'arrive pas à sortir. Oh, oh là là. J'ai eu peur sur ce fast fall. Ouais, le grab est très bien ride. Et le downer aussi. Attention, peut-être la parie est bonne. Merci pour le chien, merci le chien blanc pour le follow. Le sabi passera pas. Est-ce qu'on peut enfin réussir à sortir Winder qui a 190% et qui continue de gratter et qui va prendre cette stock sur Inami, incroyable. Magnifique. Magnifique séquence de jeu entre les deux joueurs. Est-ce qu'on se rend compte à quel point Winder est genre clutch sur cette séquence-là? Il est à 200% le joueur. Oh bah oui, forcément. La backer. N'importe quel tilt l'aurait tué de toute façon. C'est le backer qui a pris ce kill en effet, mais là on repart directement sur un combo de Winder. Oh là là, de le downer et le up smash. On est en winner en effet le chat, il me semble que c'est pour le top 8. Oh c'est magnifique, le jab into grab down throw downer. Qu'est-ce que c'est bien joué. Le combo était super propre. Winder qui montre toute l'étendue de la qualité de son Dr. Mario face au Joker de Inami qui a été dans tout ce tournoi extrêmement bon mais qui se heurte à un mur et on est déjà sur le dernier match. La balle de match, le dernier match. C'est en winner, Torchimène, ouais. On est en winner. Allez, c'est reparti pour cette balle de match directement. Est-ce que côté Inami on va réussir à réitérer ce qu'on avait fait sur le début de la partie d'avant où il y avait eu un throw à un moment mais globalement on avait trouvé des bons combos, on avait trouvé des bonnes choses, mais pour l'instant c'est Winder qui reprend directement l'avantage et Inami qui se bat bien, mais la guerre de bataille qui viendra y mettre un terme. N'hésitez pas à follow les gars, je vois qu'il y a plein de messages de première fois. N'hésitez pas à follow la chaîne, vous serez pas déçus. Alors 128 joueurs qui arrivent le 11 décembre, ouais. Tournoi LOL la semaine prochaine. N'hésitez pas les gars, franchement ça nous ferait archi plaisir. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bien joué, le downer a été sorti, on a déjà pris une stock d'avance. Attention, est-ce qu'on peut venir faire plus le up? Oh là c'est le downer qui va toucher. Et le grab, mais malheureusement le combo n'a pas suivi. Encore le upper, le bis, c'est bien vu de la part de la pinulse. On se neutralise. Est-ce qu'on peut aller chercher cette stock côté Inami? Pour l'instant on est bien, on a une grosse phase d'avantage. Comment va se passer le ledge? Ouah, dommage. On va se faire grab et on va perdre l'avantage qu'on avait acquis. Mais Arsène est là à la rescousse. Bien joué ce up smash. Et malgré 56% de retard, on est dans son match pour Inami. On peut totalement le faire face pour l'instant à Winder qui joue extrêmement bien. Oh le smash. Oh là, vient sortir Inami. Qu'est-ce que c'est bien joué. Winder, déjà une stock de retard. Winder qui me régale. J'ai... Comme tout à l'heure avec Léon, je suis plus spectateur que caster. C'est-à-dire que je me régale devant ce stream. J'espère que vous aussi. Et le Winder qui nous sort des phases de jeu de l'espace. Et Inami aussi, ça régale en fait. Ouais, c'est juste, extrêmement bien. Le Sabi qui avait été touché. Est-ce qu'on peut pouvoir faire quelque chose de plus downer? Attention, on va se neutraliser pour nos deux joueurs. Est-ce qu'on peut venir faire plus que ça? Ça se regarde, ça se neutralise. On n'arrive pas vraiment. On gratte des pourcentages côté Inami. Mais on va malheureusement tomber sous le coup de ce grab et de ce dance roof. Yes, sir. Est-ce qu'on attend sur le ledge? Ouh, le up est excellent et on va tomber. Ça va tuer. 3-0 sec pour Winder avec son Dr. Mario qui a dit les termes. Mais quelle qualité